Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est au bord de l'eau aujourd'hui dans le Vaucluse, à l'étang des Bosquets, à Sérignan-du-Comtat. Je suis venu essayer d'attraper quelques poissons avec une technique de pêche assez simple aux méthodes feeder. Donc méthode feeder, hêche artificielle. On est en plein été, il fait très très chaud. J'ai décidé de me lever très tôt aussi pour éviter les grosses chaleurs de l'après-midi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer en face du repère d'un castor qui, je l'espère, me prêtera quelques moments avec ses amis les carpes et les carassins. Donc, vu les conditions atmosphériques, j'espère déjà avoir des touches. Mais bon, je suis assez confiant, ça saute partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite m'installer. Je vais monter une canne, un moulinet. Je vais faire le montage avec vous. Et puis, on va essayer d'aborder cette partie de pêche au fur et à mesure, de voir comment ça réagit. Et puis, essayer de prendre quelques poissons et pourquoi pas une ou deux belles carpes. Bon, j'ai posé ma caisse, elle est en place, ma petite desserte, j'ai fait très très simple, quasiment pas de matériel aujourd'hui pour pêcher. En été, quand il fait très chaud, je suis un gros flemmard, je pense comme beaucoup de pêcheurs, et j'essaie d'optimiser les touches et pas forcément l'installation. Et si j'optimise mon installation, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas m'étaler. Donc je vais monter une canne en deux brins, une Etos XRF Medium Feeder en 3,30 m. Donc ça va être parfait pour pêcher à une vingtaine de mètres, collé à la berge d'en face. Donc c'est un espèce d'îlot qui est jonché d'abris. Le problème aujourd'hui, comme je le disais, c'est que l'eau est très basse. Quand on est arrivé avec Emilien ce matin, on a eu la surprise de voir que le plan d'eau a baissé de 60 à 80 cm. Donc je me suis mis sur la place du castor parce qu'il y a encore des branches dans l'eau, même malgré la hauteur du lac. Ça va servir, je pense que ça sera un bon repère pour les carpes et les carassins. Donc je vais essayer de me concentrer sur cette zone et de voir si j'arrive à faire quelques poissons. Donc une canne de 3,30 m, puissance médium, ça ira très très bien. C'est une canne pour pêcher au feeder, le tout venant. Et pour des carpes jusqu'à 3, 4, 5, 6 kg en étang, ça ira très très bien. Il n'y a aucun souci. Donc je vais monter ça. Je monte dessus un petit moulinet en taille 3000. Ça sert à rien de monter un moulinet énorme qui va déséquilibrer l'ensemble. Pour pêcher à cette distance-là, un 3000 suffit largement. Et je l'ai garni avec du nylon en 22 centièmes. Donc le 22 centièmes, quand il sort de 20 mètres, le nylon joue un rôle d'élastique. Ça va être pour moi suffisant sur ce type de parcours. Il n'y a pas des carpes records à faire ou des silures ou des poissons monstrueux. Donc un nylon en 22 est largement suffisant pour employer des bas de ligne jusqu'à même 22 centièmes. Faire 22-22, ça ne me dérange pas, en sachant que mon corps de ligne sera quand même un peu plus solide que mon bas de ligne. Je vais tout passer dans les anneaux. Ça fait encore pas très jour. Ah, il y a quand même pas mal de poissons qui sont en activité. C'est 6h du matin, si ma montre donne la bonne heure, parce que c'est pas une montre qui donne des heures exactes, ça. 6h du matin, le soleil est en train de se lever. C'est le meilleur moment pour observer de l'activité sur l'eau d'une manière générale. J'ai l'impression d'être dans un zoo ici, il y a des animaux partout, des ragondins, on a vu le castor qui était juste derrière tout à l'heure, avec sa queue plate. J'aurais une anecdote. Par rapport aux queues plates, on la verra peut-être plus tard dans la vidéo. Et non, c'est vraiment, le cadre est vraiment sympathique. Par contre, c'est sec, hein. C'est très très sec. Envoyez-nous de l'eau, s'il vous plaît. Alors, ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais laisser la canne en plan. On verra le montage après ensemble. Je vais mouiller la défarine. Donc, j'ai pêché aux méthodes feeder. Ici, c'est un parcours où il y a énormément de poissons, de types de poissons. C'est géré en trotte par la fédération, c'est un plan d'eau communal. Et il y a des poissons qui ont été lâchés, des tanches, pas mal de gardons. Il y a possibilité aussi de faire du poisson blanc au-delà des carassins et des carpes. Donc je vais mouiller des farines. Je ne vais pas mouiller des pelés aujourd'hui, je vais mouiller des farines qui pour moi vont plus vite se disperser sur le fond quand les poissons seront là. Et ça me permettra peut-être de pouvoir rappeler régulièrement, sans risque de les gaver ou de les tenir en activité sur le fond sans qu'ils se nourrissent de mon appât.
Donc j'ai mouillé quelque chose d'assez soft. J'avais prévu de la méthode Past Green, de la 50-50, mais j'ai peur que ça soit un peu riche pour aujourd'hui. Alors je vais faire de la Super Crush Expander. C'est une amorce qui est à base d'expander broyé, qui va être assez light entre guillemets, qui va se disperser pas mal dans la couche d'eau, se disperser sur le fond. Et ça va être parfait pour pêcher les carassins, les carpes, et puis pourquoi pas les brèmes si elles mordent, et puis les tanches, voilà. Donc je vais en mouiller déjà 500 grammes, ça suffira largement. Et puis j'aviserai en cours de pêche, à voir si j'en refais ou pas. Ça sent bon. Voilà, il y en aura largement assez pour commencer. Donc la pêche, je vais l'aborder d'une manière très simple. Je vais mouiller 500 grammes de cette farine-là, je vais sortir quelques boîtes d'èches artificielles et ça sera tout pour aujourd'hui. Pêche d'été, pêche facile. Et sur ce parcours-là, je sais que les appâts artificiels répondent de bien généralement. Et on verra en particulier lesquels tout à l'heure. Donc voilà, je vais rester très 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 simple. Ça va être une pêche relativement économique. Quand on pêche sur méthode feeder, on n'est pas obligé de pêcher avec des pelés. Hein. Vous pêchez avec n'importe quelle amorce. Ça va casser un peu le mythe des amorces spéciales méthode feeder, mais on peut pêcher aux méthodes feeder avec une amorce à brème. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur des parcours en canal, notamment sur des brèmes et des carassins, ou des fois passer un méthode feeder avec l'amorce avec laquelle je pêche au feeder. Ça permet de piquer quelques beaux poissons qui sont présents sur le cou et qui se nourrissent très proche du feeder. Donc le méthode feeder, ça permet vraiment d'attraper les poissons qui viennent se nourrir sur l'amorce. Donc là j'ai fait un premier mouillage et j'ai bien fait de ne pas y aller plus fort parce que au niveau du collage on est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser gonfler le temps de faire mon montage, de sonder. Je suis pas du tout prêt encore. Je vais laisser gonfler comme d'habitude. Et puis je reviendrai voir ça après, je remettrai un peu d'eau. Et ce que je fais, c'est que je passerai l'amorce au tamis. Pour pêcher aux méthodes feeder, c'est important que l'amorce elle soit uniforme, tamisée, fine, pour qu'elle se colle déjà comme il faut au moule, qu'elle ne se décroche pas dans la descente de la couche d'eau au moment du lancer. Et surtout qu'une fois qu'elle arrive au fond, ça fasse une belle petite tache d'amorce et puis qu'on ait notre appât qui soit bien positionné au milieu et pas au milieu de grumeaux. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le poisson vienne manger notre appât et pas un grumeau d'amorce qui traîne. Donc là, on va la laisser gonfler un peu. Et je vais aller monter ma canne, le méthode, tout ce qu'il faut pour pêcher. C'est parti. Moi, je vais attaquer le montage de ma ligne. Donc, je vais pas me prendre la tête pour le moment. Je vais monter un méthode feeder, un open à l'œil, 30 grammes large. Ça va être pour mettre les premières méthodes avec un petit peu de farine quand même pour faire un petit point d'appel. Et après je changerai, je mettrai une taille médium intermédiaire en fonction de comment se déroule la pêche. Donc c'est pas une pêche où je vais relancer très souvent, c'est la pêche aux méthodes feeder. C'est une pêche où on pose la canne, on bouge pas, on n'aguiche pas et puis on attend de voir, on attend que le poisson vienne se nourrir de notre appât. Donc c'est pas très compliqué. Pour le monter, alors celui-là il a déjà été monté, donc je vais passer la petite tétine, pardon, je vais passer d'abord deux stop flottes. Je les monte, c'est une version sans élastique, donc en ligne, je monte deux stop flottes. Deux pourquoi? Pour vraiment bien bloquer le méthode. Le méthode, le but c'est qu'il soit autoférant quand le poisson s'empare de l'appât, je veux qu'il se pique et qu'il se ferre tout seul. On n'a quasiment pas besoin de ferrer sur une touche au méthode, on le verra. C'est une touche où la canne elle s'arrache et là on a juste à prendre contact. Donc deux stop flottes pour faire un autoferrant. Je vais couper
le nylon que j'ai pincé là pour pouvoir le passer dans la tétine. Je passe la tétine de mon méthode feeder. J'enlève la tige, j'ai pas besoin de monter le méthode dessus. Je passe la tige. L'avantage de ces méthodes, c'est qu'on peut intervertir le poids de plomb ou le volume sans changer la tige. Donc je mets ma tige et après je vais finir par ma petite attache. Donc c'est l'attache qui est fournie avec. C'est une attache que je remplace par un émerillon quand je pêche les très gros poissons en méthode, mais là il n'y a pas d'intérêt, c'est parfait pour pêcher des poissons jusqu'à plus de 10 kg en état, on n'est pas sur une rivière. Je vais enlever le petit bout de nylon, donc je le conserve. J'avais un petit bout de nylon qui était coincé. Il va falloir couper. Ça, c'est quand je finis une partie de pêche et que je laisse. Je coupe le montage sans démonter. Voilà. Donc, toute la gymnastique, c'est de réussir à passer mon nylon dans le petit trou de l'attache. Comme ceci. Ce que je fais, c'est que je fais une petite boucle pour le fermer. Une boucle avec un nœud de 8, c'est plus pratique et plus solide que de faire un nœud de cuillère. Je serre bien, j'enlève le bout de nylon que je conserve. On remet tout en place, comme ça. Et voilà, le montage est fini, il n'y a plus qu'à mettre le plomb dessus. Donc pour mettre le plomb, je relève les stop flottes, j'enlève la tétine. Je fais passer le fil dans la fente du méthode. Et je viens mettre la paille en place, comme ceci. Je remets la tétine, je descends les stops et le montage est fini. Donc là j'ai un montage avec un méthode, un open alloy en 30 grammes large. Donc c'est un peu lourd, c'est un peu large, mais pour les premiers lancers, pour amorcer, descendre rapidement au fond et pas attirer non plus les ablettes et les gardons, ça sera parfait. Donc maintenant que le montage est terminé, je vais pouvoir attaquer à sonder et rapidement à pêcher. C'est vraiment une pêche qui permet d'être vite en action de pêche à proprement dite, et c'est une pêche qui permet des pêches rapides fin de journée ou début de journée en plein été comme ça, où on essaye de fuir un peu le soleil. Donc allez, je vais essayer de sonder, je vais lancer, voir s'il y a... Oh, ça c'est bon ça. Je vais essayer de voir quand même malgré tout s'il y a... Il reste un peu d'eau. Bon, là il y a de l'eau. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lancer progressivement en clippant tout en me rapprochant de l'amas de bois laissé par mon ami Père Castor là-bas. Et éviter de m'y mettre complètement dedans. Donc déjà là, il y a moins d'eau et ça accroche. Donc c'est pas là qu'il faut que je pêche. Donc je vais décaler un peu. Alors je pense qu'il va bien falloir sonder là. Déjà sur la partie droite, j'accroche. Oh, là j'ai à peine 3 secondes avec 30 grammes. C'est pas énorme d'avoir 1,50 m de fond à peine. Donc là je pêche contre des abris naturels, des accros. Là je suis en train de sonder, j'ai des branches au fond. Une pêche que je vais faire non, là si je pêche plus loin je suis accroché.
Donc, juste là, j'ai un clip. Voilà, on va enlever le vieux clip. Toujours penser à enlever ses clips en fin de partie de pêche, sinon on est embêté comme ça. Je vais essayer de me mettre juste devant l'amas de branches qu'on voit pas. On voit des branches, bien sûr, au-dessus de l'eau, mais il y en a aussi en dessous. Et le sondage sert à ça, on lance pas au hasard. On n'attaque pas à pêcher avec un bas de ligne, de la morse, un hameçon, sans avoir fait un peu le tour du poste. Ah, il y a un peu plus d'eau déjà. Là, j'ai des cailloux. Je vais essayer de rallonger juste un peu. Il faut que j'aille vraiment chercher la limite des... Les poissons, ils sont là. Les poissons sont là. J'espère qu'on va les toucher parce que les voir et les faire, c'est pas la même maillot. Alors là, il y a vraiment moins d'eau. J'ai vraiment... j'ai 3-4 secondes au milieu et là-bas, j'ai à peine 2,5-3. Mais les poissons... les poissons semblent en activité en bordure, donc je ne vais pas avoir peur d'aller les chercher. Là, j'ai deux. Là, j'ai deux. Je vais essayer à gauche complètement. Ce qu'il y a, c'est que l'étang est vraiment, vraiment, vraiment bas là. Ça fait peur quand même. Ah, il y a plus d'eau là. Ah, j'ai bien plus d'eau là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans cette direction et je vais essayer de rallonger pour voir un petit peu. Regarde. Mettre 2 mètres de plus. Là, par contre, si ça va, c'est bon. Ça m'a l'air pas mal. J'essaie de venir chercher plus vers la droite. Là, c'est pêchable. Là, c'est un peu plus pêchable qu'en face du tas de bois. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors là, je suis à, je pense, 3 mètres de la berge. Je ne suis pas collé dans la berge. Sur la partie droite, je peux pas. Il y a des branches de partout. Sur la gauche, c'est plus propre. Je vais me garder cette marge. On sait comment réagissent les gros poissons, on l'a déjà vu ensemble dans d'autres vidéos. Ils reculent ou ils partent à droite, à gauche. Donc je vais me garder la marge de derrière. Et puis en cours de pêche, si j'ai des touches, que ça s'arrête, mais que j'ai de l'activité sur le coup, je rajouterai 50, 1 mètre, j'essaierai d'aller voir un peu derrière, quitte même à remonter un peu sur la berge, c'est pas bien grave. Donc là j'ai ma distance qui est réglée, j'ai mon clip qui est réglé. Ce que je ferai, c'est que dès que je vais commencer à pêcher, je mettrai un coup de marqueur toujours au niveau du clip, au cas où j'ai vraiment un gros poisson qu'il faille déclipper. Sinon, d'une manière générale, avec une berge d'en face, dans peu d'eau, je vais essayer de pêcher clippé, même aux méthodes feeder, ça ne dérangera pas forcément ici. Je vais aller finaliser le mouillage de mon amorce, et ensuite je vais vous montrer ce que je vais utiliser en appât. Ça va être très simple. Et puis, feu, hein. Je vais attaquer à pêcher, et puis on va voir ensemble comment ça réagit. Voilà, j'ai tamisé la morse, j'ai mis un petit coup, un coup de la grille la plus fine. Et ça donne quelque chose de vraiment souple, de vraiment fin. Donc ça va vraiment être parfait pour ce que je veux faire aujourd'hui. Bon, je vais pas trop traîner à regarder la morse, je vais aller la mettre dans l'eau parce que je me languis vraiment d'avoir les premières touches. Allez, on y va. Moi, je me suis mis une petite quantité d'amorce dans un bac. Il m'en reste encore un peu que j'ai laissé dans le seau. Donc je suis
venu très très light. Donc deux petits bacs, deux petites boîtes avec des méthodes et mes appâts. Alors mes appâts, comme je le disais, j'ai pris mes incontournables, donc les housing cheesy garlic. Donc c'est les fameux qui avaient fait fureur dans une précédente vidéo qui m'avait permis de faire pas mal de carpes alors que j'en faisais plus. Donc on le voit, ils déposent sur mes doigts du jaune. Housing, c'est... En fait, ils fument, ils sont traçants. Donc une fois qu'il est dans l'eau, le cheesy garlic, il laisse une traînée jaune. Jaune, c'est de la fluorescéine, je pense. Enfin, c'est du jaune fumant. Donc je les ai en dumbbell, donc c'est des dumbbells d'une certaine taille qui permettent de cibler quand même des poissons un peu costauds. Je les ai aussi en micro-bouillette. Donc là elles sont à la pineapple, par contre c'est plus hein, c'est pas de l'ail et fromage, c'est plus ananas. Après entre nous, hein, parce qu'on en discute, les goûts, j'y importe vraiment peu d'attention. C'est plus la couleur et l'attractivité, enfin l'action de l'appât sur le fond. Donc là de nouveau c'est quelque chose qui fume une fois dans l'eau. L'avantage de cela, c'est qu'ils sont équilibrés, c'est-à-dire qu'ils vont, une fois montés sur mon cheveu, accroché à l'hameçon posé au fond de l'eau, le poids de l'aige va équilibrer le poids de l'hameçon. Donc quand le poisson... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc quand le poisson va se saisir, aspirer, parce que la carpe carassée aspire, donc l'appât, elle ne va pas ressentir le poids de l'hameçon. C'est l'appât qui va équilibrer le poids de l'hameçon. Donc du jaune fluo en dumbbell, du jaune fluo en bouillette. Après ça dépend de l'humeur des poissons. Et surtout, ce qui marche très bien ici, c'est du rouge qui fume. Donc c'est pareil, c'est comme les jaunes, mais en rouge. Donc là, ça va être sous forme de dumbbell. Donc ce que je vais faire pour pouvoir mettre aussi bien des dumbbells, donc les dumbbells, c'est ces pelés écrasés au milieu qui sont censés être faits pour être échés sur une bague. Donc aussi pour écher aussi bien des dumbbells que des micro-bouillettes, ce que je vais faire, c'est que je vais monter un badling, un hameçon, avec une baïonnette. Une baïonnette, c'est une petite vrille qui vient en lieu et place de la fameuse bague et qui permet d'être enfoncée dans n'importe quel type d'appât artificiel un peu dur, on se comprend, dans laquelle elle va tenir. On ne va pas mettre une baïonnette dans un grain de maïs, mais par contre dans une bouillette, dans un dumbbell ou dans un pelé relativement mou, on va pouvoir. Donc je vais monter ce badling. Et la pêche aux méthodes feeder, l'avantage qu'il y a, c'est que dès le premier lancer, ben, on pêche. Donc je vais mettre un badling, une hêche, et lancer, on va voir s'il y a de l'activité immédiatement. S'il n'y a pas de l'activité immédiatement, ben, je vais relancer assez rapidement, 5 minutes. Puis après, on attendra progressivement de plus en plus longtemps. Bon, pour le badling, j'ai choisi de monter un MXC6. C'est un hameçon à œillet qui est relativement léger, qui est léger. Donc sans ardillon, donc ça va être parfait pour aujourd'hui parce que les poissons, je vais les décrocher dans l'épuisette, on va faire une photo et on va les remettre à l'eau directement. Donc l'objectif, c'est de ne pas abîmer ces poissons. Donc un hameçon léger avec une grande courbe. Donc les adeptes de méthode feeder connaissent ce type d'hameçon. Des hameçons très arrondis qui viennent vraiment s'accrocher à la bouche du poisson une fois qu'il a aspiré. Ça évite qu'il recrache sans avoir même senti une pointe. Donc j'ai choisi une taille 14, donc ça va être vraiment la taille qui va être adaptée à la taille de mes hêches, de mes appâts artificiels. Ça ira vraiment très très bien. Si dans la pêche je vois que ces hameçons sont trop légers, si jamais j'ai une ouverture ou si je décroche, je passerai à l'opposé sur du MXC4, beaucoup plus lourd, beaucoup plus solide, pour essayer de sortir des éventuelles grosses carpes comme on a vu sauter tout à l'heure, qui seraient susceptibles de mordre aujourd'hui, je l'espère. Donc pour monter cet hameçon, c'est assez simple, on sort un hameçon, on coupe un bout de fil plus long que le bas de ligne qu'on veut monter. Donc là en l'occurrence c'est du 20 centièmes. Pour commencer ça ira très bien. Je vais monter une baïonnette, donc une petite baïonnette taille standard. Donc cette petite baïonnette, je vais la monter. Aïe. J'ai les doigts plus gros que la moyenne apparemment. Je vais la monter dans une petite boucle pour laisser de la liberté à l'appât. L'avantage d'une boucle, c'est que l'appât sur le cheveu va pouvoir tourner un peu dans tous les sens.
Donc moi je commence par faire ça, je commence par monter mon cheveu. Donc bien sûr il faut régler la taille de la boucle pour que ça soit, que ça veuille dire quelque chose par rapport après à la longueur du cheveu. Il ne faut pas que le nœud de la boucle se retrouve dans le nœud du cheveu, collé à l'hameçon. Là, j'ai coupé l'excédent de fil. À chaque fois que je fais une boucle, un nœud de drap, enfin, je plie de nylon pour faire un nœud, c'est un nœud de 8, je le répète, mais... Donc voilà, j'obtiens ma petite baïonnette qui est toute libre autour de ma boucle, dans ma boucle. Donc là, je vais venir positionner mon cheveu derrière l'hameçon, donc je prends mon hameçon, je passe le fil de derrière à devant pour avoir ma baïonnette, voilà, en position. Donc ce que je vais faire, c'est que je la positionne. Moi je fais ça, après il y a plusieurs écoles, hein, toujours pareil. Hein. Personne n'a la science infuse. Je mets ma petite boucle de vrille juste en dessous de la courbure de l'hameçon pour que mon appât soit juste derrière. Une fois que le poisson aspire, il s'empare de l'hameçon avec. Et je vais faire des tours, donc j'en fais 5-6 si j'arrive à attraper. J'ai enlevé l'amorce que j'ai sur les doigts. En revenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça suffira largement. Et je vais repasser 2 derrière à devant. Voilà. Comme ça, j'ai mon hameçon qui se referme sur le nylon. C'est important de passer dans le bon sens. Donc là, après, j'ai rien serré encore. Je positionne le tout. Donc j'ai mon hameçon qui est refermé. Donc le poisson va prendre et il est accroché directement. Donc là, il suffit de régler ma longueur de bas de ligne. Donc voilà, j'ai pas mes boîtes pour régler. On va faire à peu près 10 cm. Voilà. Et je fais une boucle. Toujours pareil, avec un nœud de 8. Voilà. Par contre, pour serrer une boucle sur du gros nylon, je prends une tige. Voilà. Je coupe l'excédent de nylon et je suis prêt à pêcher. Donc je suis pas, comme vous l'avez vu, je suis pas au centimètre près sur un bas de ligne. Là, j'ai des boîtes à bas de ligne avec des bas de ligne prêts pour des pêches de compétition où il faut changer vite, s'adapter. Bon, c'est prêt, je change comme ça. Là, je suis en loisir, je suis là pour me faire plaisir. Et puis, on n'est vraiment pas ici à 1 cm près, je le répète. Là, je vais plus voir la précision, le lieu de pêche, l'endroit où je vais apporter mes zèches, comment les poissons vont se déplacer, que me dire « Ah, il manque 1 cm aujourd'hui pour faire un poisson ». Non, je pense pas que ça sera vraiment le problème du jour. Donc là, je n'ai plus qu'à le monter. Ah, je crois qu'il y a un poisson qui a sauté sur le coup où j'ai sondé. Bon, l'avantage c'est que c'est pas des. Enfin le bon point c'est que c'est pas des carassins qui sautent, c'est des carpes. Alors j'espère qu'on va toucher quelques poissons. Il y a le castor là, est-ce que c'est lui qui les fait sortir? Je sais pas. Ah non, c'est un canard, pardon. Confondre un castor et un canard. Oh. Bon allez. Je suis trop impatient, on y va là. Là c'est mon premier lancer. Il est 6h45. Et je vais attendre jusqu'à 6h50 pour relancer. Les poissons sont dans le coin, ils sont en activité, ils sautent, ils bougent. Je veux pas faire un amorçage à proprement dit pour les faire venir, ils sont là. Donc j'attends de voir s'ils répondent de présent directement sur le lancer de mon premier méthode et mon premier apport d'amorce. Donc là, ce qui est important, c'est de clipper, poser la canne et surtout de ne pas bouger. Entre le moment où le méthode a touché le fond et le moment où la canne est posée, il ne faut absolument pas qu'il y ait eu de mouvement, il ne faut pas que le méthode revienne en arrière.
Si l'amorce est un peu souple, qu'elle se défait directement en arrivant sur le fond, on va pas avoir l'effet escompté par la méthode, c'est-à-dire on va pas avoir une pêche précise. Et là, pas au milieu du petit tas posé sur le méthode, mais alors l'amorce derrière le méthode, là, pas en rack sur le côté. Et c'est vraiment pas ce que je recherche, et ce qu'on recherche aux méthodes feeder d'ailleurs, d'une manière générale. Il faut tendre sa ligne, il n'y a pas de souci avec ça. Là, je suis en autoferrant. Donc le but, c'est que le poisson mange directement. Mange et se faire directement, donc il n'y a pas de besoin de laisser la bannière détendue ou des choses comme ça. Si vraiment j'ai des petits poissons, des touches bizarres, je déferai peut-être un peu, là, j'enlèverai un peu de tension, mais je vois pas d'intérêt. Pour moi, les touches, ça va être des touches qui vont arracher la canne. Donc fil tendu, poisson ferré automatiquement, et puis voilà quoi. Hop. Je viens de me faire arracher la canne. Je pense pas que ce soit un gros poisson, mais comme vous avez pu le voir, les touches en méthode feeder, c'est des vraies touches. Et avec une canne comme ça, médium, c'est vraiment agréable, même sur des petits poissons. On ressent bien le combat. Qu'est-ce que c'est ces petits poissons là? Hop là. Donc c'est pas un très gros poisson, mais j'aimerais le sortir pour qu'on voit ce que c'est. Donc il y a vraiment de tout dans ce plan d'eau, c'est vraiment génial, on ne sait jamais ce qu'on va attraper. Oh ouais, c'est le premier poisson, c'est une tanche, une belle tanche. Ouais, elle est magnifique. Oh là là. Là on commence la journée en prouvant que le méthode feeder, c'est vraiment une technique qui permet de tout attraper. Mais vraiment de tout attraper. Oh là, c'est un super poisson. Oh, je vais la décrocher, on va la regarder. Et la remettre à l'eau directement. Un super poisson pour commencer. Je pouvais pas espérer mieux. Commencer une journée de pêche comme ça, de bon matin. À 6h et des brouettes avec une belle tanche, je vais la remettre à l'eau directement. Ce qui est bien avec cette pêche, c'est que voilà, je viens de décrocher mon poisson et j'ai encore mon appât, j'ai rien à faire. J'ai juste à la reposer mon dumbbell au fond du moule. Je le repose au fond du moule, je saupoudre un peu d'amorce, je presse et puis c'est bon, c'est prêt à pêcher. C'est vraiment une pêche qui est exceptionnelle. Je viens à peine de relancer. Je viens à peine de relancer avec une micro bouillette jaune fluo. Et ça part, c'est parti assez rapidement. J'avais des passages dans le fil tout à l'heure avec les dumbbells rouges, ça prenait pas. Et là, j'ai l'impression que ça prend plus vite. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont quand même une sacrée défense par rapport à la température de l'eau qui est chaude et aux conditions. Oh. Qu'est-ce que c'est comme poisson, quoi. Je suis en 20 centièmes, c'est solide, mais il faut pas non plus abuser. Surtout qu'avec un hameçon petit, on a tendance à les décrocher quand ils sont piqués sur le bord. C'est peut-être pas un si petit poisson que ça. Peut-être pas si petit que ça, finalement. Que c'est. Mais qui es-tu? C'est le castor. Ah, c'est une carpe. C'est une carpiote.
Bah écoute, hein, je prends. Je prends. Bah écoute, ben voilà, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Oh, c'est un joli poisson quand même. Ben c'est quand même un beau petit poissonnet qui est plein de vigueur. Une petite carpe, une petite commune. Poisson de 2 kg, 2,5 kg qu'on va vite remettre à l'eau. Allez. On aurait dit qu'elle m'avait dit, qu'elle m'a dit au revoir avant de partir, regarde. Elle a levé la tête, elle a ouvert la bouche. Allez, je vais remettre une Housing Burley Pinnacle 8 mm. Excusez-moi du peu. Malgré tout, hein, malgré les deux stop flottes et la violence de la touche, les deux stop flottes sont remontées. Donc je les remets en place. Je décroche mon doigt que je viens d'harponner. Et puis on va remettre la même chose. Hein. Il n'y a pas de raison de changer. C'est pas un poisson qui est très très gros, mais c'est un petit poisson qui est plein de vigueur. Donc là, ça fait pas si longtemps que ça que je pêche. Hein. Ça fait une demi-heure et j'ai déjà deux poissons, deux beaux poissons. Ça fait plaisir, d'autant plus que la chaleur monte, qu'il faut profiter de ces moments de bonheur avant de souffrir. Donc là, c'est parfait. Là, c'est vraiment parfait. Ça fait bien 12-13 minutes que j'ai envoyé. Après mon dernier poisson, j'ai plein de passages et ça prend pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec un appât rouge, mais surtout diminuer la taille de mon méthode, la contenance. Je vais passer sur un médium, là je suis en large, je vais passer sur du médium pour apporter un peu moins sur le fond et essayer de obliger les poissons vraiment à manger mon appât au milieu du peu que je leur propose. Donc là, on a vu que c'est ultra rapide de changer de plomb. Ça m'a pris 10 secondes. Donc voilà, je suis passé sur une taille médium. Je vais mettre un appât rouge. Un petit dumbbell. Ouais, il y a des poissons qui bougent encore. Mais j'ai de l'activité, moi, sur le coup. J'ai vraiment de l'activité. J'ai de l'activité au fond. Il faut juste que j'arrive à trouver le réglage pour attraper les poissons. Donc là, je vais remettre de l'amorce et puis c'est parti. Mais j'espère que en changeant comme ça d'appât, de taille de plomb, de taille de méthode, j'arriverai à les faire mordre parce que les poissons sont là, j'en doute absolument pas. Juste qu'il faut aussi comprendre comment ils mordent. Si ça convient pas, j'aurai encore plus petit. Je vais mettre des méthodes. Je vais vous montrer en taille small. Donc en taille small, le plomb il est légèrement plus gros qu'un ongle. Donc en 15 grammes. Donc je vais me faire moins de bruit, moins d'amorce. Et puis faire une pêche beaucoup plus délicate et discrète. Si c'est ce qu'il faut faire, je le ferai. Les poissons sont dans le quartier. Je mets encore un peu de farine et après vraiment j'affinerai à ce niveau-là si nécessaire. Il y a de l'activité, les poissons mangent, ils viennent sur le méthode. Il n'y a pas de doute. Quand je vois mon sillon qui met des petits coups comme ça. Ça s'appelle des passages dans le fil. Là, il y en a encore un là. C'est des poissons qui viennent, qui se nourrissent de la farine en l'occurrence. Ça peut être des pelés si vous avez mis des pelés. Qui traduisent leur présence en touchant le nylon qui est tendu. Donc ça fait des petits passages dans le sillon. Et c'est là où il ne faut pas se tromper, il faut attendre, il ne faut pas ferrer. Des fois, on peut avoir un gros passage.
Et en méthode feeder, ça, c'est pas une touche méthode feeder. On attend que la canne parte, on attend que le poisson soit ferré pour prendre contact. On ne fait pas n'importe quoi, sinon on perd son poisson en ferrant dans le vide. C'est un poisson qui peut après naviguer, partir ailleurs. Il faut vraiment attendre qu'il se nourrisse, qu'il se saisisse de l'appât pour ferrer. Alors, je ne sais pas si c'est le réglage de volume de méthode qui a fonctionné. En tout cas, j'ai bien attendu 5 minutes pour avoir la touche franche. J'ai eu de nombreux passages dans le fil et c'est assez mou. Je pense que c'est un carassin. Donc je suis en nylon à 22 centièmes. L'avantage du nylon, c'est l'élasticité. On me pose souvent la question. C'est que le nylon, ça joue un peu un rôle d'élastique, ça amortit les coups de tête, ça aide dans le combat avec le poisson, contrairement à la tresse qui, elle, est là pour la sensibilité, qui a une élasticité qui est complètement nulle. C'est vraiment bizarre comme ça combat. C'est que je pense que ça avait fait un tour. Ça avait fait un tour, elle avait fait un tour sur la 26, c'est une carpe. Donc c'est bien des carpes qui viennent sur le coup, qui se nourrissent, qui font les passages dans le fil. Faut juste réussir à les berner. Il est hors de question que je monte plus petit que du 20 centièmes là. Il y a des poissons qui sont quand même gros. Et si je monte du 18, je sais que je vais me faire exploser. C'est quand même un poisson qui... C'est quand même un poisson qui est joli. Un joli poisson de 3-4 kilos. Si je décroche l'arbre, c'est mieux. Elle m'a pas fait une touche, vraiment une touche phénoménale. C'était un petit appui long, certain. Elle avait mangé, mais bon, pas... Voilà, elle n'était pas excitée. Une belle commune quand même. Donc c'est quand même un beau poisson. Je vais vite la remettre à l'eau. Donc c'est les poissons sont sur le coup, hein, c'est certain. Je vais juste essayer de trouver peut-être l'appât qui fait qu'ils mordent plus vite. Elles sont là, elles mangent la farine. Donc il doit y avoir quelque chose à essayer. Je vais essayer après. Peut-être une bouillette, une petite bouillette blanche, une bouillette, un humble, voir ce que j'ai. Le blanc, ça m'a permis souvent de faire des belles pêches et de me sauver, de me sortir le cul des ronces. Bon, après quelques essais, en changeant de couleur, en passant sur un dumble blanc goût chocolat, et c'était un essai non productif. Là, j'ai remis... Ah, punaise, putain, je décroche. Ah, il y a un accro en plein milieu, là, il y a là où il y a les bulles. Là. Ah, punaise, il n'y a pas beaucoup de touches. J'ai beaucoup de passages, beaucoup de... Les poissons sont là. Là, j'ai touché un gros poisson que je tenais qui allait se mettre dans un accro, là. Ah, punaise. C'est... La température commence à monter. C'est assez compliqué. Je pense que les poissons se déplacent pas beaucoup. Ils se nourrissent pas non plus énormément. Il y a des passages, ils sont là, mais c'est pas l'euphorie. Et là, je casse un poisson et j'en perds un dans un accro. C'est pas top, tout ça. Carrément, ça m'a ouvert l'hameçon en fait. J'ai dans une espèce de branche au milieu, j'ai tiré, ça m'a ouvert l'hameçon. Bon, je viens à peine de reposer au même endroit, derrière, toujours. Et c'est reparti. Pas 5 minutes d'attente.
Donc je suis content, ça confirme un peu ma stratégie de base. C'est des belles touches bien appuyées. Alors je comprends pas pourquoi j'ai des passages dans le fil sur le coup initial et que ça prend pas. Là c'est l'inverse, j'ai très peu de passages et ça prend rapidement. Je ne sais pas comment les poissons se déplacent sur le fond. Là on est un peu sur une pêche un peu type on s'est piqué par un temps. C'est une mouche d'âne, c'est pour ça. Si on est un peu sur une pêche style carpe au drop, où il faut sans cesse s'adapter, se déplacer, rallonger, pêcher à droite, à gauche. C'est un plan d'eau qui est quand même pas mal pêché. Donc les poissons sont certainement habitués à avoir des méthodes tombées. Et leur méfiance fait qu'ils ont tendance à reculer. Il y a un moment donné, à force de reculer, je vais me retrouver dans la berge. Ce que je pourrais faire à partir de ce moment-là, c'est décaler par contre. Décaler sur la droite ou sur la gauche. Parce que c'est qu'est-ce que c'est? C'est une carpe noire ou c'est un carassin? Elle a du nerf la canne, on sent bien qu'on peut tirer dessus. Donc à un moment donné, c'est ce qu'il va falloir faire. Voilà. On vous prend une petite douche au passage. Eh ben nickel ça. Nickel. Ah, elle est piquée au bord. Hein. Je tire dessus, mais ça c'était encore un coup à la décrocher et à regretter. Oh. C'est une petite commune, un petit pétard, là. Elle est un peu plus foncée que les autres là. Celle-là elle s'est défendue. Allez, je la remets à l'eau. Hop. Bon, 11h40, c'est le moment de s'arrêter. Il n'y a plus aucune activité sur le plan d'eau. Même sur le coup, j'ai plus de passage dans le fil. J'ai essayé de rallonger jusqu'à toucher quasiment la berge. Ça n'a pas fait plus que ça. J'ai des petits poissons, des nuages de petits poissons qui arrivent dans l'amorce. Mais les gros poissons, carassins, carpes et tous les autres ont, je pense, décidé d'aller se mettre à l'abri je ne sais pas où. Donc c'est le moment d'arrêter. Ça a été quand même une belle petite partie de pêche. Ça a été technique. Ça ne peut pas être la boucherie à chaque fois. Une pêche, premier poisson, une tanche. Je me suis vraiment une belle surprise. Et puis on a vu au cours de cette vidéo qu'en changeant de position sur mon coup, j'ai réussi au fur et à mesure à refaire des poissons. Donc j'ai pêché un coup initial à une certaine distance des accros que j'ai sondés au départ. Et j'ai reculé 1 mètre, puis 1 mètre 50, puis 2 mètres pour repiquer quelques poissons. Donc j'ai fait un joli petit panel de poissons. Il me semble avoir 4 carpes, un carassin et une tanche. C'est vraiment pas mal. Il fait vraiment très 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 chaud. On doit être pas loin des 40 degrés là. Et je pense que voilà, faut pas insister plus que ça. Déjà pour moi, pour le pêcheur, pour les poissons. Quand il fait chaud, je pense que c'est pas vraiment agréable d'être sorti de l'eau. J'ai pris la volonté, d'ailleurs on a vu aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne pas mettre de bourriche. Je pense que c'est une bonne solution en ce moment. Une tête d'épuisette en rubber qui protège les poissons aussi, qui protège leurs écailles. Donc vraiment du safe côté poisson pour les remettre en bonne santé rapidement dans l'eau. Donc j'ai une belle pêche, une pêche technique aux méthodes feeder, très simple, avec une alternance de quelques appâts artificiels, jaunes, rouges. Voilà, rien d'extraordinaire, mais vraiment du précis, des appâts qui fument, c'est ce qui marche bien ici. Et une amorce toute simple à base de pelée broyée, d'expander broyé, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez vu quand même quelques petites astuces, notamment sur le montage des baïonnettes, du méthode feeder, le changement de taille de méthode. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à partager ça avec vous, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.